mains vers le ciel. Et disons merci à Dieu. Tout en remettant également ce séminaire entre ses mains. Il est le seul qui a pourvu à ce que nous commencions ce grand séminaire de 7 jours. Et en pour thème principal, la délivrance des familles. Et il n'y a que lui qui pourra nous accompagner jusqu'à la fin de cela. Prions que l'ennemi échoue dans tous ses plans. Merci Père. Je te recommande ce séminaire de 7 jours pour le 6e mois que le monde appelle le mois de juin. Daigne, Seigneur, disposer les cœurs de ses enfants, leurs moyens de transport, afin qu'ils viennent à temps et qu'ils ne puissent jamais manquer, Seigneur, un seul jour. Merci parce qu'à travers eux, les choses ne seront plus les mêmes dans leur famille. Merci pour la délivrance que tu vas accorder à des familles. Et cela pour la gloire de ton royaume. Au nom de Christ, amen. Merci. T'as ton voisin, bienvenue. T'as ton voisin, bienvenue. Venez toujours à l'heure. Bien sûr, à temps. L'ennemi sera humilié. Et nos vies ne seront plus les mêmes. La délivrance des familles. Acclamons pour le Seigneur. Merci. Donc, quand c'est pas des questions, mais chaque jour, nous sommes là pour des délivrances, des délivrances. Tata voisin, aussi longtemps que tu vivras sur la terre des hommes ici, le Seigneur te dit, soyez sobre, veillez. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alors, sachant qu'il va dévoiler. Ne sois pas là pour glorifier l'ennemi Satan, non. Nous sommes là dans l'aide, c'était pour exposer ses manœuvres et être vainqueur. Parce que sa mission, c'est toujours de conjuguer les trois verbes voler, égorger, détruire. Et il se fatigue jamais. Il sera mis en prison qu'au dernier jour, quand Christ reviendra. Mais pour le moment, il agit. Mais dans la vie de ceux-là qui sont avertis, pour ceux-là qui sont en Christ, sérieusement en Christ, et qui marchent dans les voies du Seigneur, et ils marcheront sur le puissant de l'ennemi Satan et seront toujours vainqueurs. Nous allons clôturer bientôt ce 6e mois de l'année civile que le monde appelle juin. Je pense dans quelques jours ici. Dans 7 jours. Nous arriverons le 30 pour clôturer le premier semestre de cette année civile 2022. Et nous remercions Dieu parce que dans le Saint-Esprit, il a permis que nous comprenions beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce mois pour lesquelles l'ennemi a préparé les renouvellements des alliances dans nos familles et dans nos vies. Tout le voisin, devancez l'ennemi. Arrêtez-le.
avant qu'il vous arrête. Et vous en avez la capacité en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Plusieurs choses se sont passées au courant de ces 6 mois de l'année civile. Toujours dans le sens de contrôler les vies des gens, de contrôler les familles et rénover les alliances, n'est-ce pas, qui ont été longtemps établies dans la vie et dans les familles des gens. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que chaque 6e mois d'un civil, que nous puissions parler d'un séminaire de 7 jours ayant pour thème principal la délivrance des familles. Même l'année prochaine 2023, si Dieu voudra, pendant également ces 6 mois, il y aura toujours la phase délivrance des familles. J'aimerais dire à quelqu'un de ne jamais manquer pendant ces 7 jours. Le chiffre 7 a une signification prophétique pour nous dans ce ministère selon la révélation du Seigneur. Chiffre 7 ezali oyo ezali eloko moko e talisaka ukangula mipe ezali oyo elobaka makasi na lutomo oyo ezali na kati ya itonga na biso oyo. Même le nom révélé, c'est le ministère de 7 chandeliers d'or. Ata okoki kotango komona ete ezali ministère de 7 chandeliers d'or. Le chiffre 7 a une signification prophétique. Dans l'espace et dans le temps, ce qui est. Mais une parenthèse pour cela, j'aimerais te dire que quand tu commences la semaine les premiers jours, n'est-ce pas? Tu la termines le 7e jour, n'est-ce pas? Et l'autre semaine, c'est un nouveau départ. Alléluia. Amen. Si vous croyez, après ces 7 jours, la situation dans la famille ne sera plus la même. Si vous êtes sérieux, il y aura un nouveau cycle. Vous allez commencer un nouveau départ dans votre famille. Et par vous, vos membres de famille, plus loin à l'étranger ou ici, même en province, ils seront visités par toi. Alléluia. Amen. À celui qui dit amen, que cela soit accompli. Au nom de Christ, amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui un soutien merveilleux. Notre voisin, la famille dans le plan divin. Encore mieux, la famille selon le plan de Dieu. Bien-aimés, quand nous allons dans la Bible, nous allons remarquer en fait que l'Éternel Dieu a pris soin. Quand il parle d'un personnage, il va détailler même sa généalogie. Il va préciser même sa source. Vous voyez l'arbre ici? L'arbre prophétique ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que ces fruits n'apparaissent, avant que ces fruits n'atteignent la maturité, il y avait d'abord une semence, n'est-ce pas? Et au fil des années, l'arbre a fini par grandir. C'est pareil également pour ta vie et pour ta famille aussi. Tu viens d'une père. Pardon, tu viens d'un père et d'une mère. Alléluia.
Amen. Outi pa ya tata moko songolo pe mama songolo. Ton voisin qui vient d'un père. Tata na pa outi pa tata moko. Regardez votre voisin excuse. Tala moninga wazali pembeni na yo. Dis que tu viens d'un père. Loba ete outi pa tata moko. Également d'une mère. Pe pa mama moko. Ton père également départ d'une lignée familiale. Tata na yo pe auti na kati ya libota moko songolo. Ta mère également. Mama na yo pe auti na libota moko songolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang qui coule en toi, le sang qui coule en toi. Makila o ezali ko zanga na kati nzoto na yo. Vient d'une semence. E auti na kati ya nkona moko. Dans la lignée de ton père. Na kati ya singa ya ndela ya tata na yo. Qui est resté dans le sein de ta mère. Qui a partagé les alliances avec la lignée de ta mère. Donc, tu viens d'une famille. Amen. Alléluia. Amen. L'exemple est là. Cet arbre qui a grandi. Ça a commencé par une semence. Avant d'atteindre cette la maturité ici, l'arbre a traversé plusieurs étapes et aujourd'hui, même si les fruits sont là, aussi longtemps que la semence originale était malade et n'a pas été totalement guérie, les mêmes maladies vont apparaître ici plus tard. Tangu nyonso koti komona ete nzete moko songolo ata moni bambuma nango ebote ezali kitoko kasi singelo yeba ete soki nkona na yango ezalaki malamu te yeba ete ata bambuma ebimisi kozala malamu te. Quand je lis la Bible, nalingaka tangu nyonso nazali kotanga Biblia, tu verras que l'Éternel Dieu a pris soin de nous parler de toutes choses. Okomona ete yawe nzambe ayebanaki penza koloba na tina ya nzoko nyonso. Que ce soit pour Adam, Eve, même pour avec Caïn. J'ai pas encore ici exemple Caïn. Restez debout, pardon, ok, ça va. C'est s'il vous plaît. Genèse chapitre 4, je vais lire rapidement du verset 17, verset 22. Un exemple. Aïe me dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Et il bâtit ensuite, Enoch engendra Irad. Irad, vous voyez, on parle jusqu'à vous, on démontre, on détaille point par point, n'est-ce pas, la généalogie de Caïn. Bazali koloba tango nyonso, et si katoli bota bis Caïn. L'Éternel Dieu, dans le plan divin, quand il a créé l'être humain, bien sûr, l'homme et la femme, c'était pour que ces deux puissent s'unir dans le lien sacré du mariage et fonder une famille. Former une famille sainte. Qui devrait marcher dans les voies du Seigneur et qui devrait l'adorer jour et nuit. L'ennemi connaissait que c'est un royaume qui devrait être mis en place pour glorifier Dieu. Lui n'aura plus de royaume. Parce que dans le livre de Genèse 1:28, Dieu dit qu'il créa l'homme et la femme et il est béni. Il dit soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Je peux lire cela dans Genèse chapitre 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et dominez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans le plan de Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, c'était pour être fécond, remplissant la terre et dominer sur l'œuvre de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça le plan de Dieu pour la famille. Dieu avait signé un décret pour la fécondité.
Comme je l'ai dit souvent, le même décret a été signé pour les oiseaux, les animaux, les poissons et tout comme ça. Le même décret de la fécondité. Tu n'attendras jamais qu'une rivière ne donne plus de petits poissons. On ne sait plus pêcher parce que les poissons sont stériles. Non. Et tu verras plus dans le lac au Congo ici, les poissons meurent de vieillesse, c'est parce qu'on ne sait pas les pêcher. Les poissons meurent de vieillesse parce qu'on ne sait pas les pêcher. Mais toi, dans votre famille, les gens meurent très tôt, à un certain âge très avancé. Dans votre famille, si la maman ou la grand-mère ou dans la famille, il y avait la stérilité, c'est la stérilité également qui est dans la famille. Si ton père est mort très tôt, oui, il était limité. Si ce n'est pas brisé, les mêmes réclamations également suivent les enfants. Si maman, ce n'est pas de sa faute, a eu des enfants avec 3, 4, 5, si Marie, ce n'est pas de sa faute, tu verras également que si vous ne brisez pas cela, ça risque également d'amener les divorces, le célibat et la même vie dans la vie également de la progéniture. Maman paye, ayebanaki na kobota na mibali ebele, so ki yo baby si, basinga wana te, okomona ete yo pe boka wana kata libala na yo, tope yo pe, olandi kaka mlokolo ya maman na yo, kobota ebele bele, isika ebele na mibali ebele. Dans votre famille, les gens ne meurent que par une même maladie à un certain âge. Et vous risquez, si vous n'avez pas cela, également la famille d'être contaminée. C'est pas ça le plan de Dieu pour la famille, non. Quand Dieu avait créé l'homme et la femme, arrivé au septième jour quand il se reposa, il a passé toute sa création dans le laboratoire test et il a dit que tout était bon. Il créa l'homme et la femme. Et il les unit dans le lien de mariage en disant soyez féconds, multiples. C'était dans l'esprit de créer une nation, une famille sainte. Laisse-moi te dire une chose. Je disais ici à un enfant qui venait me voir là-bas que la famille telle que vous la voyez, c'est presque une église dans une église. Une ville dans une grande ville. Une nation dans une grande nation. Alléluia. Amen. Alors, si la famille est fondée sur Dieu, la famille a comme base, comme socle Dieu. 2, 3, 4, 5, 10 familles ont comme socle Dieu. Le diable aura-t-il l'accès facilement? Facilement? Une famille, c'est une ville dans une ville. Libota ezali ville moko na kata ville mosusu. Une république dans une république. Tope ezali république moko na kata république mosusu. Une nation dans une nation. To ekolo moko na kata ekolo mosusu. Une église dans une grande église. Etonga na kata etonga ya monene. Si la famille est libérée, soki libote kangolami, la ville sera libérée.
ville la progéniture sera libérée, la ville et la nation tout entière sera libérée. Alléluia. Amen. Et colo peignons et cosa bon somi nango mboka mobimbe cosa pe ango bon somi. L'ennemi n'a jamais accepté cela. Pe moini satana yebi atika la tamo kolo mokote kondima kolinga yango. Voilà pourquoi il va susciter des problèmes pour que tout au début le premier Adam désobéisse à Dieu. Yangwana akomi matango nyonso makambo pwete Adam ya liboso ya yambo ayi banako kakema. Némi a voulu détourner les plans de Dieu, mais il s'est trompé parce que c'est Dieu qui est le créateur. Il a les plans de la rédemption également de toutes choses. Donc, au jardin d'Eden, l'ennemi a réussi à détourner l'être humain de sa vocation qui était celle de fonder une famille sainte. Une nation sainte. Et langa yedena ebanaki na kubungisa pwete moto o esengelaki na ye ayebana ko twa libota moko pa komisa yango peto ye akakemi. Donc l'être humain avait perdu son identité, n'est-ce pas, selon laquelle il devrait dominer sur la création. Moto abungisaki boye pwete abungisaki nyospe ayebaki na kukonza lisusu te simana kozwa pena kosumuka. Alléluia. Amen. Donc les gens sont restés sans Dieu, sans espérance, parce que le diable avait détourné l'être humain de sa vocation. Donc la famille qui devait être centrée pour Dieu n'avait plus le sens de l'être. Libota o esengelaki ebengama libota moko ya peto ezali ko memi ya nzambe ezalaki lisusu bongo te pwete moinisata ayeba na kokota. Que vous compreniez une chose. La lingete bososola eloko moko. Je veux commencer par cette table. La sève qui nourrit ce fruit, ça vient de la semence, des troncs, et puis, n'est-ce pas, je ne comprends pas. Et c'est pareil également, quand je parle de la famille, je vois le père, la mère et les enfants liés par le lien du sang. Ezali lolenge moko tango nazali koloba na tina ya libota pwete na kata libota baiba na kokanga mabango nyonso na nzela ya makila. Voilà pourquoi dans la Bible, quand nous lisons des généalogies, tu verras que le Seigneur a pris soin de relater la généalogie de tout personnage là-bas. Il vient d'eux, parce qu'il y a un pouvoir dans le lien du sang. Yango wana komona tango zali kotanga Biblia ya Nzambe ayeba na kozwa penza mokano na ye ya koloba tango nyonso moboko ya moto na kati na Biblia po ayeba ki o ezalaki pifo na sima ya makila. Qui est d'accord avec moi? Nani azali na ngai? Devez-vous alors? Telema. Regardez votre voisin. Tala moninga zali pembeni na yo. Dites-lui que tu aimes beaucoup pointer du doigt, tu es sorcier. Dites-lui que tu aimes beaucoup pointer du doigt aux autres, tu es sorcier. Ton arrière-grand-parent, il y a 500 ans, il avait la sorcellerie. Quel est ça qui coule en toi? Pas la plupart n'ont pas connu les états de Dieu. Les gens ont peur. Tu as peur. Quand tu vois les autres, tu as peur. Alors que tu as l'autorité, mais toi tu es sorcier. Le sang qui coule en toi là. Ça vient d'où? Mais ça vient d'où? Arrêtez d'appeler des gens sorciers parce que toi-même tu es également sorcier. Alléluia. Amen. C'est comme cela que le pouvoir malgré vous contrôle parce que vous avez encore ces liens là. Si vous ne brisez pas cela, vous serez contrôlé. Qui dit que le diable part en vacances? Vous le chassez le matin, vous ouvrez le port le soir, il revient. Vous la rendez à Dieu. En Jésus-Christ, on va briser ce pouvoir là dans le lien de la sorcellerie sera brisé. Ces liens seront arrêtés. Au nom de Christ. Amen. C'est acté. Amen. Tout le monde est connecté par ce lien-là du sang. La plupart de nos parents, ce n'est pas de leur faute. Les gens ne connaissaient que
Pour mettre la main sur telle famille, il faut passer par le péché, par l'idolâtrie. Et s'ils ne sont pas délivrés, alors tout le monde sera connecté. Il est conscient que l'idolâtrie peut vous contrôler sur 3 et 4 générations si vous ne cherchez pas le véritable Dieu et la vraie délivrance de Christ. Ayebi malamu penza yete soki moto akoi na masumu o wana ya kuguma merabikeko akozwa o ezali keke bikeke na ye ya misato pe kino ya mine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi connaissait que Dieu ne fait rien sans sa parole et lui également ne fera rien sans le péché. Quand Dieu donne ses commandements de marcher dans ses voies, n'allez pas avoir d'autres dieux devant sa face. Et quand vous faites le contraire de cela, l'ennemi dit, moi je récupère parce que leur Dieu a dit ceci, donc moi j'agis. Tu verras bien aimé, aujourd'hui plusieurs vies sont enterrées, plusieurs familles vivent des mêmes problèmes que leurs parents ont vécu, les autres ont vécu sans connaître la cause. Ma bote belle ezali ko bikela makambo ya pasi makasi na kati bomo ina bango pwete bazali ko bikela oyo ba bote na bango pe ba koko na bango basala. Même des serviteurs de Dieu. Ata kutu bato bazali ko benga basali na nzambe. Ils n'ont jamais compris ce problème là. Batika la ko sosolate mais likambo ngo zali. Ils ont jamais cherché leur vraie délivrance. Et sengali na bango ko luka bo kambo le mia solo. C'est retour dans le même problème. Kasi bazali ko zonga kaka na kati likambo moko. Ne blâmez pas Dieu. Ko yeba na ko gangela nzambe te. Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans son église pour que tout soit révélé. Et si vous le cherchez sincèrement, il va apparaître devant vous, il va agir. Quand tu n'es pas un chrétien à temps partiel, mais tu l'es à temps plein, et vous êtes sincère dans votre façon de le chercher, il se manifestera. Alléluia. Amen. Ce qui condamne plus les gens, c'est ce lien-là du sang. Ce lien de sang condamne plusieurs familles. Si vous ne déconnectez pas votre vie de ce lien-là, ça va contrôler et vous et la progéniture. Je l'ai dit souvent. J'avais reçu un couple, je crois, hier, avant-hier. Un jeune couple. Ils ont eu, premièrement, ils ont fait une fausse couche, l'enfant était mort. Et deux fois, la femme est allée accoucher par césarienne. Elle a risqué sa vie. Alors, ils avaient suivi tabernacle. Ils ont fait le choix de venir. Assister avec nous dans la prière et suivre la délivrance. Un jour, j'ai prié sur la femme. Il y a eu beaucoup de révélations qui ont été révélées dans le Saint-Esprit. On dit, mais son mari, il est le premier né de la famille. Tous les premiers nés de la famille sont des sacrifices. D'ailleurs, on a bloqué son travail. Il doit être esclave. Il ne peut pas même pas rester dans un foyer. Comme il est esclave, il doit mourir très tôt. Alléluia. Amen. Et la femme dit, mais cette femme que vous voyez, d'ailleurs, elle a perdu son père très tôt. Et ce sont des lois établies dans leur famille.
La même façon que sa maman est restée veuve très tôt, elle également a vécu le même cas. Lolenge moko maman na ye abungisa mobali na ye yepe sengeli abungisa mobali na ye tongo tongo. Donc on a pris ce monsieur qui avait une réclamation que la femme pour arriver à accomplir notre mission. Yangwana to luki kaka mobali o azalina ba singa lolenge moko na ye poete ba ba na kosale loko moko te. Alors qu'il prie. Ba bon de la ka. Mais ils n'ont jamais découvert le problème. Kasi batika la koye ba te boko ezali nini. Pourquoi le mari était suspendu, ils ne connaissent pas, mais c'est ça le problème. Bah, il peut y avoir de l'argent, mais tu verras, soit on les fait sortir de la maison, et ils vont rester pendant autant d'années, ils ne peuvent pas rester ensemble, parce que l'enfant ne peut pas rester dans un foyer. Papa, si pour la foutre, il solanda, vous pouvez être mobile, c'est la tende, pratique à la tangonion sur Macamona Macambo. Et plusieurs cas sont représentés ici à travers le monde entier sans distinction de race ni de couleur parce que l'ennemi est toujours là. Il travaille pour déstabiliser et détruire les familles. Pe makambwana ezali na mabota nyonso na kokesanisa ata moko tete ezali moindo to ezali moto na poso ya mundele te batu nyonso pe mabota nyonso. Je vais vous raconter une histoire que j'ai rencontrée aux États-Unis. Une jeune dame, pendant qu'elle grandissait, elle a perdu sa maman qui est morte du cancer de l'utérus. Sa grand-mère était morte du cancer de la matrice. Elle a atteint un certain âge. Prête à se marier. Elle s'est dit, mais comme cette histoire, c'est presque génétique, il y a la grand-mère cancer, la maman aussi, donc, non, la maman était morte avec le cancer du sein, oui, c'est ça. Il dit, non, je dois aller me faire l'ablation du sein pour que je ne sois pas atteint du cancer. Sa grand-mère était morte avec le cancer de la matrice. Sa maman, c'était le sein, oui. Elle dit, mais non, autant se faire l'ablation des seins, de couper les seins pour être épargné. Et s'est fait couper aussi des seins. 5 ans après, c'était plus le cancer du sein. Le diable est venu, il n'a pas trouvé le sein, c'était l'utérus. Médicalement, on va découvrir la cause, on dit que c'est génétique. Médicalement, on va découvrir la cause. On dirait que non, c'est génétique. Mais spirituellement, tu verras qu'il y a une semence maléfique qui était libérée dans la famille et la famille est contrôlée sous cette maladie-là. Si tu crois pendant ce séminaire, Dieu te fera grâce. La semence maléfique dans ta famille sera brisée. Les malédictions dans ta famille seront effacées. Les malédictions seront effacées. Amen. Au nom de Christ, amen. Amen. C'est acté. J'avais connu une soeur qui est passée ici il y a une année passée. Une quarantaine d'années, une quarantaine d'années révolues, on dira brusquement, elle est de malaise, oh non. Elle est à l'hôpital, on a découvert que non, elle développe le diabète. Oui, médicalement, on dit que c'est normal. On dira, mince, normal, c'est le régime alimentaire. Oui, oui, médicalement, on dit que c'est ça la cause. On l'avait aussi placé sous un protocole, n'est-ce pas, pour suivre les traitements. Mais je l'ai reçu à la prière ici, il fallait voir. Il a permis dans sa lumière que tout soit révélé. On dit, oh, ça fait 4 siècles que la famille ici est sous la malédiction. Mais du côté de son père et de sa mère. L'arrière, grand-père avait violé une fille dans la famille. Dans les villages voisins.
Dans les villages voisins. Et de là, on avait libéré la malédiction. Que dans leur famille, il n'y aura plus jamais le mariage de filles. Il y aura toujours le lien de la stérilité. Même si tu t'es marié, tu seras divorcé ou soit tu vas perdre le mari. Et à tel âge, tout le monde devrait souffrir de cette maladie de diabète, comme ça ils vont mourir de cela. Ah. Penambula moko songolo tangu ba kumi koko la singala ni na bango siko koso malade ya sukali baba na kokufa. Tu comprends pas ce que j'ai dit? Nani azali kososo nazali koloba. Lève-toi, regarde ton voisin. Tele mapelo ba mutazali pembeni na yo. Et pose la question. Petuna motuna. Connais-tu ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles du côté de ton père? Oyebi oy esalama ambula ebele ya côté de ta mère. Toi à côté à maman na yo. N'est-ce pas? Ou du côté de l'homme que tu as épousé, ou de la femme que tu as épousée, tu diras, mais je suis déjà en Christ. Oui, c'est bien. C'est très bien. Je dirais que c'est bien d'être en Christ, d'être né de nouveau. Mais c'est mieux d'être véritablement né de nouveau. Il y a une nuance. Celui qui est né seulement de nouveau dira, je suis né de nouveau, hein? Ok, c'est fini. Tout ce qui est passé est passé, je ne sais. Né de nouveau. Mais c'est un chrétien à temps partiel. Il n'a pas la sagesse ni l'intelligence de comprendre de pourquoi ma famille est ce qu'elle est. Il n'a jamais eu le temps d'entendre en prière et chercher la cause de ses problèmes. Non, il dit que non, je suis né de nouveau. L'ennemi aussi les retient pour qu'ils restent dans l'ignorance. Mais celui qui est véritablement né de nouveau, c'est bien celui qui est un chrétien à temps plein. Qui marche dans les voies du Seigneur. Il a le temps de méditer chaque jour la parole de Dieu. Deux fois par mois, il peut rentrer 3 jours de retraite. Il le fait chaque mois. Il veut rencontrer son Dieu. Il veut chercher la cause des problèmes dans sa vie, dans sa famille. Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, il va se manifester en lui. Également, il va lui révéler des choses cachées. Il pourra se lever en prière. Au nom de Jésus-Christ, déraciner la maladie ou les malédictions. Briser et être vainqueur. De façon permanente, il sera vainqueur. Mais c'est vrai que les gens sont distraits. Malgré qu'ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils sont dans la distraction. Après, ils condamnent Dieu. Dieu t'a donné la clé passe-partout qui est le nom et le sang de Christ. Il a même dit que dans son église, aucune puissance ou les portes de l'enfer ne prévaudent contre l'autorité de l'église. Il a révélé et envoyé le Saint-Esprit dans son église. Si vous le cherchez, il va se manifester, il va vous révéler des choses cachées. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra te nuire. Mais à la seule condition d'être dans un bon endroit, également, la révélation doit être donnée pour que tu comprennes que les choses ont commencé depuis des générations. Alléluia. Amen. Alléluia. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour plusieurs. Parce que nous pendant le temps de la fin. Je ne sais pas vous parler de mal des églises. Non, ce n'est pas mon travail. Mais
Quand Dieu a révélé ce ministère de cette chandelle d'or, c'est pour parler de sept types d'église pendant le temps de la fin. Comment l'ennemi va s'infiltrer au sein des guides du Seigneur. Pour détruire même plusieurs âmes et plusieurs destinées sans que les gens ne le sachent sournoisement. Dieu nous a fait grâce le dimanche passé de vous parler d'un cas où il y avait Abraham qui était un de Dieu avec Lot qui était là. Lot qui était le neveu d'Abraham a reçu également la bénédiction, la protection pendant qu'il était avec Abraham. Alléluia. Amen. C'est pareil. Dans les églises aussi. La même façon qu'on parle de cette étoile sur la main du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, 10 à 20. C'est là où on parle du mystère de cette étoile et de cette chandelle d'or. Les sept étoiles sur la main droite du Seigneur, ce sont des appelés, ce que Dieu appelait les apôtres, les prophètes, tout ça, sur la main droite du Seigneur. Et les sept chandeliers là-bas représentent les sept types d'églises. Et quand tu parles dans Jérémie 23, le Seigneur dit qu'il a envoyé des serviteurs, mais ils ont mis son brebis, n'est-ce pas, en des bandades. Ils ont fait éparpiller, n'est-ce pas, ces brebis. Il y aura un temps où il enverra, n'est-ce pas, ses bergers. Lui-même prendra soin de, n'est-ce pas, de son troupeau. Donc, de la même façon qu'on a vu où il y avait l'onction d'Abraham qui couvrait Lot. Et quand Lot s'est détaché de cela, c'était autre chose. C'est pareil également dans plusieurs églises aujourd'hui à travers le monde entier. Pendant ce temps de la fin, l'ennemi s'est infiltré au sein de l'église de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups qui sont rentrés dans la bergerie du Seigneur avec la même Bible. C'est comme cela ne suivait pas les délivrances dans une église. Ne suivait pas parce qu'il prêche bien, il est éloquent, il y a beaucoup de gens là-bas à l'église. Demandez l'aide du Saint-Esprit si réellement Dieu le véritable agit là-bas. N'est-ce pas que la chorale là-bas ont des chances? Non, demandez toujours à Dieu. Parce que si l'étoile en question est étouffée, ou l'étoile est connectée aux puissances maléfiques, tous ceux qui sont dans l'église sont des esclaves également, contrôlés par, n'est-ce pas? Alléluia! Amen. Et le diable veut se rassurer que les gens soient tirés comme cela pour que leur malheur persiste et continue toujours à être pérennisé. Alléluia. Amen. Nous sommes pendant le temps de la fin. Le Seigneur voudrait que ta famille soit totalement délivrée afin qu'elle forme ou afin que le papa, la maman et les enfants deviennent une nation sainte. Alléluia. Je l'ai dit ici, bien aimé, tu verras que beaucoup de gens sont tentés de vivre les mêmes choses et les mêmes conséquences que les parents, les ancêtres ont vécu. Malgré qu'ils prient, ils se posent des questions, mais comment dois-je encore prier? Es-tu là?
Tu ne sais plus comment prier. Sois sincère. Tout le monde est concerné. Tu sais plus comment prier. Tu travailles. Tu as difficile à prouver, n'est-ce pas, les travaux de tes mains comme ça. Tu es là. Un exemple. Tu travailles, mais tu as difficile à prouver vraiment. Des fois, ça fait 10 ans que tu travailles, tu ne sais même pas acheter une parcelle. Lève-toi. Tu as étudié, mais tu es toujours limité dans la vie. Tu peux monter comme ça pour que tu échoues. Tu vis ce qu'on appelle les lois des mendianites. Donc, juste tu échoues au seuil de la percée. Dès que tu veux accéder, pouf, tu échoues encore. Lève-toi. Aussi ça que là c'est cassé. Tant que nous sommes olingiers, tu es au bocangole. Toi, eh ben, à couper un bon moment, tu es au mati, au kiti, au mati, au kiti. Tu vis des limitations dans ta vie. Des fois, tu comprends pas, mais ces choses viennent d'où? Pour telle misère, ma casse, na katsa bon moyen. Yozali komi tu ne makambo, nous sommes allés kouta wapi. Dans votre famille, tu comprends pas, c'est l'instabilité dans le foyer. Comme des filles, comme des garçons. Lève-toi. Na libota moko basi to mibali bavana kananda koma bala te ba bengala ka bango tango nyonso. Soit il y a encore des fevats précoces dans la famille. Lève-toi. Tu peux kata libota moko batu bakufa ka bilenge. Soit quand les filles se marient après le divorce. To basi ba bilenge ba bilenge basi ba bali na mabota kasi ba yebina ko kabwana. Mais la stérilité a hérité domicile dans la famille. Lève-toi. Ata bana ba bota ba yebina bango ko kota na libala kasi ko bota pasi. Tu peux faire même des bonnes choses. Jamais on va t'apprécier. Tu vis toute l'humiliation. Lève-toi. Des maladies générationnelles dans la famille. Parce que dans votre famille, les gens n'aiment que soit avec une maladie cardiovasculaire, et soit le rhumatisme, maladie des yeux, ceci, cela. Les femmes ont des problèmes de matrice, des myopes. Lève-toi. Limitation d'enfant. Bibota moko songolo bobiki la kawete maladie a misu to paralysie to eloko moko songolo na kata libota ozali awa telema. Voilà, il dort. Papa, viens. Tu dors. Où est ta femme? Viens, viens. Oh, you are not allowed, hein? Dieu te voit, toi, tu dors. Viens ici. Alléluia. Amen. Où est ta femme? Elle est là. Hein? La femme qui a accouché à l'église ici. Elle est là, venez devant. Je vais vous donner un exemple. Donc tout le monde est concerné et l'ennemi veut se rassurer que vous demeuriez toujours, n'est-ce pas, sous la servitude. Dites à ton voisin, plus jamais ça dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je révoque. Et j'annule tout plan maléfique préparé, établi depuis mes ancêtres en passant par mes parents et qui continue à contrôler ma vie, à contrôler ma carrière, à contrôler mon foyer, à contrôler ma santé, à contrôler mes enfants et ma progéniture. Plus question de cela. Je dis N-O-N. Non. Que les limitations prennent fin dans ma vie. Que les échecs prennent fin dans ma vie. Que l'humiliation soit arrêtée dans ma vie. Les célibats soient arrêtés dans ma vie, ma famille. Amen. L'austérité soit arrêtée dans ma famille. Qui vont combattre ici dans la carte. La pauvreté soit arrêtée dans ma vie, ma famille. Amen. Au nom de Christ. Amen. Amen. C'est acté. Pendant ces 7 jours, si vous croyez et vous êtes sérieux, je dis bien que l'Éternel Dieu visitera chaque famille. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. L'Éternel Dieu, c'est lui qui a vu commencer la délivrance des familles. Hein? Quand ses enfants, les enfants bien aimés d'Israël, sont allés en captivité pendant 430 ans en Égypte, comme dit dans Exode 9, 1 à 2,
Exode 9, 1 à 2. Exode chapitre 9, les versets 1 et 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Va vers Pharaon et tu lui diras, allez-y. Ainsi parle l'Éternel, les dieux des Hébreux. Laisse aller mon peuple. Laisse afin aller qu'il me l'aide. Qui? Laisse aller qui? Mes enfants. Allez-y, afin qu'il me serve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu également rappelle au Pharaon de ta famille ce soir. De laisser aller ses enfants qui sont ici à Misco. Même tous ceux qui nous suivent de partout. Toi, Pharaon, dans leur famille. Yo falo na katia libota na bango. J'ai des oreilles pour m'écouter. Quelle que soit ta race. Quelle que soit ta couleur. Quelle que soit ta tribu et nation. Quelle que soit ta tribu et nation. Ton temps est arrivé à la fin. De la même façon que tenait Dieu avait envoyé Moïse Mose comme signe précurseur pour aller dire à Pharaon de libérer son peuple. Ce soir, l'Éternel a chargé également l'apôtre de dire à tous géants de ta vie et de ta famille de libérer ta vie, de libérer ta famille au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est Dieu qui a commencé par demander la libération de son peuple d'abord, qui était en esclavagisme. Alléluia. Amen. Et j'aimerais encore attirer ton attention sur le fait que ces signes-là de libération des enfants d'Israël, c'était un signe précurseur. Car Dieu, dans la Nouvelle Alliance, a aussi permis que Christ mourra sur la croix, afin que par son sang, que son peuple retrouve la liberté totale. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ces 7 jours, Amikolo par toi, la famille sera libérée. Les maladies générationnelles seront brisées. Les échecs de la famille resteront l'objet du passé. Les célibats, l'humiliation, divorce, austérité resteront l'objet du passé. Amen. Les intervences chirurgicales resteront l'objet du passé. Amen. La mort précoce est l'objet du passé. Amen. Les échecs restent l'objet du passé. Amen. Au nom de Christ, amen. Amen. Même la pauvreté, au nom de Christ, amen. Asseyez-vous. Montez-moi le cas qui est ici. Naïe Mokonzi. J'aimerais qu'on me chante, s'il vous plaît. Chantez-moi. Hein? Si c'est un guachiche ou quoi là. Hein? Rapidement, quand on dit chanter, ils viennent comme un. Hein? Que Dieu vous pardonne. Mais voilà ce couple qui est devant nous. Alors que je m'adressais au mari qui dormait, il dit je ne dors pas. Papa, tu es venu ici à l'église, tu avais ton pied gonflé, tu ne portais pas les souliers. Hein? Il y a 3 ans, on a prié sur ça. Je t'ai dit porter les souliers, tu as témoigné. Montre-moi ses pieds. Il avait des pieds, il ne portait pas de souliers. Qui s'est suivi encore de lui? Hein? Il se plaignait. Rien ne marche dans ma vie. Je prends un exemple. L'homme avait des. Ah, maman. Zemi. Oh, mais t'as. Maman.
Maman Rosette Longhi. Cette femme était fatiguée dans sa vie. Je crois qu'elle devait naissance aux enfants, elle mourait, tout court, sur là-bas, et puis après. Le mari est venu avec un pied gonflé là. De l'os établi était confirmé que les deux ne pouvaient pas rester ensemble parce que l'homme ne peut pas rester dans un foyer et la femme non plus. Donc la femme devait continuer à perdre les enfants et en fait de compte, elle devait divorcer. Je crois qu'il y a 3 ou 4 ans qu'on les a ramenés ici. Dieu a fait grâce. Ils avaient commencé leur délivrance. Et je pense 4 mois après, la femme a commencé la grossesse. L'ennemi a aussi géré que l'enfant là devrait mourir. Ils ont oublié que le Dieu de l'Alliance existe dans ce ministère. Exode 23, verset 1, verset, Dieu dit que dans votre famille, ici à l'église, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile, et personne ne perdra son enfant. Elle faisait que perdre des enfants. Elle a perdu 2 enfants dans un mois. Les enfants sont nés et après, parce qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Après sa délivrance, je crois, 3-4 mois, elle a commencé secrètement, comme d'habitude, la grossesse. On a seulement vu que ça à Paris. Alléluia. Amen. Elle avait toujours la peur qu'elle va encore perdre cet enfant-là. Et il menace d'avortement, n'est-ce pas? Hein? Oui, papa. Heureusement qu'elle est chaque jour à la prière. Femme rêvée, soit une femme féconde. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'elle ne va pas avorter. Les lois établies sont mortes. Alléluia. Amen. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Elle a eu des douleurs pendant la prière à l'église. Elle a accouché à l'église. Où est l'enfant? Cet enfant est né à l'église ici. En plein street comme ça. Hein? L'enfant a quel âge maintenant? Hein, pour la bonne seconde? À 3 ans et demi. Hein? Cet enfant est né à l'église ici. Amen. Hein? Femme féconde. Femme féconde. Levez-vous, femme féconde, levez-vous. Femme féconde. Pendant que je tiens cet enfant, recevez la grâce. 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 Amen. Vos foyers ne seront plus les mêmes. Plus question d'avorter, plus question d'avoir des morts nés, plus question d'avoir des morts à l'accouchement, amen. Plus question de stérilité. Amen. Plus question d'imitation d'enfants. Amen. Au nom de Christ, amen. Amen. Maman, si maman nous, y a aussi maman. C'est ça la délivrance des familles. Même ton foyer sera délivré. Même ton foyer sera délivré. Amen. Ma fille, Yaka, pèse un bot. Donne-lui saluer maman. Saluer, pèse à elle. Hé, 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 salue, hé, salue, kumbaye. Kumbaye. Que tes yeux s'ouvrent, voilà. Simbaye, Même vos foyers seront délivrés. Amen. Vos familles seront délivrées. Elle a porté un enfant miracle. Si vous croyez, mais plus loin, vous recevez la même grâce que si aussi. Là, il s'est fait une barrière. Amen. Accueille-moi dans ma maison. Malgré que l'enfant était né, maman Zoé Kazera, moi, non, elle était habituée à perdre les enfants. Brusquement, pouf, je suis voyé. Voilà, je suis
Hein? Pouf, je vois encore, et ça commence. Ah! Vraiment, là-bas, je brise toutes lois établies dans la famille de mon père, de ma mère, de mon mari, de ma femme. Je brise et j'annule cela. Quel que soit le temps, le nombre de siècles que cela a été placé, je déclare ce soir que cela soit totalement annulé. Priez au nom de Christ, allez prier, déclarer, annulé. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Amen. C'est acté. Je prends le seul à témoin et le seul à témoin. Asseyez-vous. Pendant qu'on attendait à l'hôpital que non, l'enfant doit sortir par césarienne. Le Dieu des miracles a sur place ici. Elle a accouché sans problème. Alléluia. Là, l'hôpital a dit que césarienne, que tout enfant dans ton sein. Donc la science a confirmé qu'il y aura une opération. Je déclare que l'enfant prenne une bonne position. Amen. Que l'enfant tourne. Amen. Tourne. Amen. Tourne. 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 Au nom du Christ. Amen. Amen. C'est acté par décret céleste. Amen. L'enfant est né ici à l'église en plein kit comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, tu vas coucher à l'église, attention. Et pendant que quoi, l'enfant est mort, deuxième maillet, là, voilà, il est là, voilà. Il marche déjà, voilà. Et quand le mari est dangereux, troisième aussi. Alléluia. Tu perdras plus des enfants dans ton foyer. Amen. Plus des enfants dans ta famille. Amen. Plus de morts nés. Amen. Et personne ne mourra avant le temps de Dieu. Amen. Au nom de Christ. Amen. Amen. C'est acté. Zamba pamola, maman. Hein? Amen. Ok, ngai. Bah, nous c'est pas un miracle. Il faut témoigner. Juste ce matin, je suis dans mon lieu comme la démarche, boy. Oh, voilà mon Seigneur. Papa, félicitations. Vous connaissez Bongi, vous connaissez. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu. Allez-y, connaissez. Oh, Nine, hein? Maman Kena. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de Dieu et de ce séminaire. Parce que les lois établies seront effacées et les rêves alliances n'auront plus un effet ni sur ta vie, ni sur ta progéniture. Au nom de Christ, amen. Le grand problème est que nos ancêtres et parents n'ont jamais été vêtements de nouveau, donc le pouvoir là n'a jamais été brisé. Et de temps en temps, même si vous brisez cela, vous ouvrez les portes, les alliances reviennent. Mais en Jésus-Christ, nous avons totalement été affranchis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu a permis que Moïse se dirigea vers Pharaon pour lui transmettre le message que Dieu lui a donné, laissez aller mon peuple pour aller me servir. Laissez aller ma famille. Alléluia. Amen. Tango nzambe zali koloba lobulete. Tango Mose akeye pa fa lo père obeliete tika bana na ngai ba kende. Dans le plan de Dieu. Na oezalaki mabongisi na nzambe. La famille devait être une nation sainte. Libote sengela ki ezala oyo ezali peto. Pour ne servir que le tenir Dieu lui et lui seul. Pona ye memba na komemia nzambe o nzambe kaka ye moko. Mais l'ennemi connaissait cela parce qu'il sait que c'est par la famille que le monde sera peuplé. Parce que le sang que tu as là-bas, c'est le sang d'une lignée parentale. Vous devez chaque fois briser la puissance de contrôle du lien familial. Alléluia. Amen. Déraciner le pouvoir maléfique de l'arbre généalogique et être connecté à la grâce qui est l'alliance
au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pendant ces sept jours, je déclare, le sang du Christ coulera dans nos veines et nos entrailles et effacera toutes lois établies et tous liens de connexion, les liens du sang du côté de ton père, du côté de ta mère et des liens de mariage, et cela par décret céleste au nom de Christ. Amen. Amen. C'est acté. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je ne cesserai de vous le dire, attention. L'ennemi connaissait qu'il y a un lien dans le sang. Il y a un pouvoir dans le sang. Alléluia. Amen. Mais il a poussé les enfants de Dieu de se dérouter. Il connaît que Dieu ne fait rien sans sa parole. Et lui aussi, Satan ne fera rien sans le péché. Lis-moi Exode 22 à 4 rapidement. Exode chapitre 20, du verset 2 au verset 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont en bas dans les eaux, plus bas que la terre. Je dis bien que l'Éternel Dieu ne fait rien sans sa parole, l'ennemi aussi ne fait rien sans les péchés. C'est comme cela qu'on a poussé, malgré que Dieu les a fait sortir, n'est-ce pas, de l'esclavage et de la servitude, malheureusement, et pas jamais en vacances. Comme je vous ai démontré l'histoire de Kadesh Barnea ici, même maintenant, malgré la délivrance, l'ennemi s'élève pour ramener les gens encore en Égypte pour faire des mauvaises choses. Et beaucoup de familles sont sous la servitude, où les alliances ont été renouvelées encore pendant ce mois, sans qu'ils ne le sachent, parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, l'avertissement. Ils n'ont pas la connaissance. L'ennemi veut les recadrer, les récupérer toujours dans ces mauvaises alliances-là afin de continuer à édompter. Alléluia. Que cela prenne fin dans ta vie. Que cela prenne fin dans ta vie et dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous verrons dans la Bible qu'on appelle Jésus-Christ Fils de David. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Benga Christ ou Mona David? Pourquoi? Pour Nini. Est-ce qu'il est l'enfant de David? Yazali Mona abotame pas David. Pourquoi on dit cela? Parce que pourquoi ne pas Kabongo? Hein? La lignée, hein? La lignée de qui? David venait d'où? Le père nourricier de Jésus-Christ s'appelait qui? Joseph. Nous la voisin Antoine T. Là-bas, ce n'est pas Antoine. Ce n'est pas Ndoba. C'était Joseph. Quand tu regardes, vous avez qui Ndoba? Vous avez qui Antoine? Non. C'était qui? Joseph. Joseph était de la lignée royale, de la lignée de David. Christ n'avait pas le sang de Joseph. Christ was alaki na makila ya Joseph uté. Marie portait fils comme étant l'enfant de Marie, parce que l'enfant est né du sein de Marie. Mais il était le fils de Dieu. Marie est ben il y avait une semence miraculeuse qui a fécondé l'œuf dans le sein de Marie. Parce que, comme également juridiquement, un enfant qui est né dans un foyer, même si l'enfant vient d'ailleurs, puisqu'il naît, automatiquement, la loi dit que cet enfant appartient à ce père. Alléluia. C'est comme ça qu'on appellera Jésus-Christ fils de David, parce que Joseph, David est venu de Joseph. Alléluia. Nos voisins, c'est ça la réalité. Hein? Lis-moi Luc 2, 4. Joseph aussi montant, Joseph, je dis bien Joseph, l'époux de Marie. Hein? Ou encore, je peux dire le mari de Marie. L'époux de Marie. Alléluia. Joseph aussi montant de la Galilée,
de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de, qui de David, appelé Bethléem, parce qu'il était, Joseph était de la maison et de la famille de David. Ce n'était pas Marie, c'est son père nourricier. Alléluia! Parce que Christ est né dans la maison de Joseph. Joseph étant le père nourricier, Joseph était officiellement l'époux de Marie. Donc l'enfant qui naîtrait dans ce foyer-là, juridiquement, c'est l'enfant de ce monsieur-là, Joseph. Mais il n'avait pas la semence de Joseph, il avait la semence de qui? De Dieu. Alléluia! Qui a compris? Qui pense que l'alliance et l'équivoque est élevée. Je peux voir encore, je lis un peu Ruth 4, 18 à 21, s'il vous plaît. Ruth 4, 18 à 21. Luc chapitre... Je vais lire si vous n'avez pas ça. Luc chapitre... Voici la postérité de Pérès. Pérès engendre... Écoute la blague, hein. Tu verras que dans la Bible, le Seigneur parle toujours de la lignée. Alléluia. Amen. Comme ça que tu es également une lignée, toi. La Bible dit... Voici la postérité de Pérès. Pérès engendra Etson. Etson engendra Ram. Ram engendra Amidab. Amidab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Pas Salomon, Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Alléluia. Amen. Voilà comment la Bible parle de l'arbre généalogique. Donc David aussi était la lignée de Boaz, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Boaz était le mari de qui? Voilà pourquoi, quelque part, on parle que Ruth s'est retrouvée comme une des grandes mères dans la lignée de Jésus. C'est ce lien-là. Alléluia. Amen. Le choix est les conséquences. L'enseignement du dimanche, qui a compris l'enseignement? Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. L'Éternel a toujours eu le souci que la famille telle que conçue au départ soit centrée toujours sur lui, sur Dieu. Afin d'avoir de l'autorité sur le puissant des ténèbres, et d'être toujours victorieux. Malheureusement, comme j'ai dit, que ce soit des serviteurs de Dieu ou pas, aussi longtemps ils n'ont jamais découvert la cause de leurs problèmes, parce qu'ils n'ont jamais demandé le Saint-Esprit pour déraciner cela. L'ennemi veut se rassurer que les mêmes conséquences qu'il a vues, et puis les générations en génération. Et pendant ces 7 jours, que toute loi établie tombe et soit effacée dans ta vie. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel Dieu savait que le premier Adam avait échoué au jardin de l'Éden, que j'aime souvent appeler le jardin de la désobéissance. Nous étions sans Dieu, sans espérance, privés des droits de cité, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Parce que l'être humain, à cause du péché ou de la désobéissance, avait perdu son identité qu'il avait. Mais l'Éternel, notre Dieu, dans son amour infini, dans sa miséricorde, dans ses beautés insondables, il nous a démontré d'abord avec un signe précurseur par le sang de l'agneau pascal en libéra ses enfants de la sainte alliance qui étaient les enfants d'Israël. C'est ça la famille de Dieu, des enfants qui étaient sous la captivité. Pendant 430 années. Et Dieu a permis que ses enfants soient libérés
au travers du sang d'agneau pascal dans l'ancienne alliance. Penzambe apesa kinzela ete bayebana kokangola mwana nzela ya makila mwana apatena o ezali boyokani ya kala. Oh, tout ce qui est écrit dans l'ancienne alliance, Dieu l'a fait pour notre instruction. Pe o nyonso esala mwana katsa boyokani ya kala ezalaki po ebenda biso matoyi. Le diable croyait qu'il avait vaincu. Mais Dieu avait toujours un plan de rédemption pour la famille sainte. Il va descendre dans la peau de son fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui sera l'agneau immolé maintenant devant l'alliance, donnera de sa vie et que son sang qui était répandu devait effacer ta vie et nous racheter un grand prix afin que nous devenions les enfants d'adoption en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au travers de ce décret, les lois établies seront effacées dans ta vie. Amen. Lis-moi Colossiens, il a effacé l'acte de nous condamner qui se contre nous. Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15. Bien aimé, si tu n'es pas encore véritable de nouveau, c'est le moment de revenir à Dieu sincèrement, afin que pendant ce temps, que tout ce qui dérangeait ta vie depuis plusieurs années reste l'objet du passé. Alléluia. Lis-moi cela. Colossiens, du verset 15, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Et qui subsistait contre nous. Oui. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Que toute loi établie meurt dans ta vie. Amen. Ma bonne signion, que les mêmes nationales soient effacées dans ta vie, dans ta famille. Amen. Que les échecs, l'humiliation, le célibat, l'austérité, le chômage, la pauvreté, les malédictions diverses soient effacées dans ta vie et dans ta famille. Amen. Et cela par décret céleste en Christ. Amen. 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 C'est acté. Je prends le seul à témoin et le seul à témoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Navin, vous avez mis combien dans la famille, Navin? Navin, montez-moi là-bas, Navin. Navin, vous avez mis combien dans la famille? Vous avez trois. Vous avez quantième. Hein? Vous avez combien? Vous avez trois. Vous avez mis combien? Hein? Vous avez trois. Vous avez trois. Oui. Vous avez moins la bonne. La deuxième. Deuxième. Oui. Tellement. Je prends un exemple. Bien aimé. Il est un sujet indien, mais ça équipe à nation et racité. Les lois établies sont des lois à Zétan. Oh, et tiens, man, à l'ibota, et tiens, man, et t'as la galopos sur la motote. Je prends un exemple là-bas chez eux. Si quelqu'un meurt, on va l'incinérer, on va envoyer, mettre, jeter la poussière dans une rivière, dans le ciel. N'est-ce pas? Et selon leurs croyances, tout celui qui va se faire baigner va recevoir la chance. Quelle chance? Prie beaucoup pour tes frères là-bas, hein? Hein? Ça met la peau à Bango. Ça met la peau à Bango. Ok. Ok, Amen. Pour la koufa, malédiction et longwa. Ok. Ok, Ngaï. Ayoki, papa. Amen. Hein? Ayoki. Ok, Ngaï. Ayoki, papa. Amen. Ça met la peau à Bango. Ok. Pour être malédiction, koufa et longwa. Ok. Amen. Laisse que par ta présence ici, Nanzela na yoawa. Tu as cru en mon Dieu. Undimeli nzambe na ngai. Que Dieu efface la mort précoce. Amen. Dans ta famille. Amen. Et qu'il efface des lois établies. Amen. Et que par toi,
La main de Dieu protège ta famille qui est plus loin en Inde. Amen. Au nom de Christ, amen. 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 Si ce n'était pas la prière d'aujourd'hui, vous alliez entendre, il allait perdre un de ses frères l'année prochaine. Alléluia. Amen. Il était la prière de ce soir. Il allait perdre quelqu'un dans sa famille. Je vais te le démontrer maintenant. Et pendant que je prie, que tout plan de mort précoce dans ta famille soit effacé. Amen. Soit effacé. Amen. Soit effacé. Amen. Soit effacé. Amen. Au nom de Christ, amen. Amen. Que tout renouvellement d'alliance pendant ces 6e mois. Que le mois d'appel, le mois de juin, pour condamner ta vie, ta famille, au second semestre et les années suivantes, aux maladies, aux échecs, mort précoce, que cela soit brisé, effacé. Au nom de Christ, amen. La vie est restée debout, comme Élise, Éphésiens 1, 4 à 5. Et puis 1 Pierre 2, 3. Éphésiens chapitre 1. Montez-moi la vie là-bas. Dis-moi cela. Les versets 4 et 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné pour son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. J'aime beaucoup. Relis-moi encore ça. Quand je relis au nom puissant de Jésus-Christ. Ça châtie mon âme. Il y a la grâce qui sort là-bas. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Ma vie, tellement. Ce que moi, je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. Hein, David? Hein? Au bel acquis, dernièrement. Là, il y a été. Oui, dernière fois, on a bel acquis, papa. Hein? Oui. Bah, bon, pour la nini, au Tonginda, au Soki étage, dans Boga, la Binokuna, au Lagisimbongo. Tu devais mourir. Ce n'est pas toi? Et d'ailleurs, il y a été. C'est moi. Hein? Et d'un gars. Hein? Barateo, mais il va attaquer Bana. Barate Bana. Hein? Merci, papa. Hein? Et d'un bongo. Et d'un bongo, papa. Ah. À travers ta femme. Parce qu'à Kumbio et Paï, il y a un Zam, on dit Mérez Massia. Au Tikin Zam, mais la Binoana, on dit Mérez Massia. Tikret en Zam, et abattez la yo. Abattez la bande de Konayo. Amen, papa. Au nom de Christ, amen. Vous les connaissez, non? Amen. La mort dans la famille. Pourquoi? Il y a la mort dans la famille. Montez-moi ici. Oui, papa, maman, tu disais quoi? C'était aujourd'hui. Oui. À 6 heures. Oui. Je rêvais, je voyais, il y avait le fils. Hey! Voilà. Voilà les géants là. Hé, hey, papa, vous trois, allez devant là-bas. Allez, les enfants. Mais mon congé. Yes. Le bon bango, compte à la bango. Bango, je suis là toujours. Quel est le bosso? Avec ta maman, toi. Alléluia. Tellement le bas plan nyonso. On va préparer. Na monde na bonga molili. Et à côté à bon tata nangai. Côté à bon maman nangai. Côté na balé là. Et à na quartier na fandi. Et baby sama nyonso. Au nom de Christ. Soya molili, oyo babongisi na libota nangai, kota botata, kota bo mama, kote na balela, na lopango na zali, na veni, ma bongisi nyonso mabe, o balengeli kota botata. Kota bo mama, kote na balela, baby sa. Amen. Baby sa, baby sa. C'est acté, pas décret, c'est assez. Prenez-moi ce qui se passe ici. Vous allez comprendre que tu as besoin de ce séminaire.
oko mona ete ozali na posa ya kidoyo. Par sa présence, hein, Dieu protège sa famille en Inde, alors que la mort est là. Kaka po azali awa nzamba azali kobatela libota na ye na mboka ya Inde. On a raté lui-même. Bah, dit, pourquoi il a laissé la religion là-bas, c'est hindou, aïe na, na, na christianisme. Hein? Pour la nini. Bah, na kanda. Ils ont voulu le tuer. Heureusement qu'il est dédicacé à Dieu. Dieu l'a protégé. Malgré cela, bah, échoué. Bah, yo kari même na famille à moi si. Na kananga na Inde, bah, salé bah, réunion. Bah, yo kananga. Na kananga, baby, qui est indien, t'es né, bah, yo kananga, bah, yo kananga. Bah, yo kananga. Bah, salé bah, réunion. Bah, bi, kankon, dans le monde, on y a un mort, on y a après, ça m'a raconté. Kankon, d'y a solo, non? Kuna mbona bi kankonde mbona bala mundele kankonde vie bonga ye faut kankonde kufa soit moi cher kufa bana ba kufa alia ki mora do ta pesa ibisote yo basi moi na yo ezam mora na bango ah te yema bala bala na ko bali sa babot na ba ko sepela je ne paierai jamais les dettes spirituelles de la sorcellerie du côté de mon père, ni de ma mère, ni de mon lien de mariage. Au nom puissant de Jésus. C'est acté assez. Fais pas tout ça là. À cause de cela, on a loupé le mari, on a failli tuer la femme. Tu as loupé un accident, c'est pas toi? Hein? L'enfant aussi. Où est l'enfant? Lui aussi. Hein? La maman, il conduisait, il m'a raté, papa, moi, non, c'est ma quoi, pas, mon tout, ma qui là? Kassai, na Inde, réunion. Téma le bas, réunion, nyon son. Que toute réunion qui se prépare, ou des réunions qui se font, pour ma bonne, si vous allez au salam. En commençant par le village de mon père, de ma mère, de mon mari, de ma femme, là où j'habite. Mon tante me quitte, panza, bon, allez, panza, bon, construction. Allez, tinda moto, tinda moto, tinda moto. Et panza, basanga, nyonso. Oh, basali, kolenge, la nakati, na bomo, inayo. La libota na yo, bonne santé na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Là-bas, l'église, c'est acté par les chrétiens célestes. Merci. Avancez, acté. Voilà pourquoi cette femme ne manque jamais dans la prière sa femme. Même si le mari est trop pris, mais la femme ne manque jamais. C'est par toi que Dieu protégera ton foyer. Il protégera ta famille. Il protégera tes membres de famille. Même vos enfants qui sont plus loin à l'étranger. C'est par toi que Dieu protégera. Réunion. Tikuna, la Inde. Hein? Ma foutre après tchikete. Téma, de base, je déclare. Catholique. Que tout oiseau maléfique utilisé dans la sorcellerie de ma famille pour survoler mon territoire, se déplacer jusque là où j'habite, même à l'étranger, pour assister aux réunions. Contre ma vie, contre ma famille, contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants, que tout vol maléfique soit cloué au sol. Allez, prions les déclarés. Ma papou et katana, ma bambanana ma belle, bandeke nyo sa bondoki. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Amen. C'est acté par les chrétiens. Asseyez-vous. Amen. Je vais prendre un exemple ici. Borataki na vie nawa, borate, bana borate. Maintenant la mort dans sa famille. Pour Nani. Navi, ta maman est en vie, non?
Maman a envie, hein? Oui, elle a envie. Elle a âge, hein? Elle a 60 plus, hein? Hein? 60, 65. 60, attends, la mouquet. Oui. Mais, Bagné Akunda, Akunda à cet âge. Oh, c'est malheureux. Bon, tu couffes dans la famille, en avion, pour la nuit. Écoutez la blague. Et qui parle nationalité, c'est pareil. À cause des lois d'établi, c'est par toi que Dieu va effacer cela. Vous avez mis la mort dans la famille de Navin. Je mets moi la famille de Navin et quoi? Caméraman, la régie. Et les deux familles là-bas. Qui t'a dit que parce que j'ai été nationalité, le diable est le même. Hein? Les malédictions n'ont pas de couleur. Pourquoi la mort dans la famille de Navin là-bas en Inde? Tu sais combien de gens sont morts par leur faute? Tu sais. Il y a des lois établies là-bas. Des gens qui sont morts par leur faute. Mais oui, parce qu'ils ont mis les pieds ici. Vous n'avez jamais su tuer ni Navin, ni sa femme, ni les enfants. Maintenant, vous les remplacez, c'est ça? Ben oui. Chez nous, il n'y a rien de gratuit. Navin, non. Voilà pourquoi tu as besoin de ce séminaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Odona la pongi, odona sakana. L'autre est peut-être bien. Moi, je suis là. Je suis là. L'autre est bien. Je sais pas, tu dors. Je vais démonter ici. Navin, montez-moi Navin là-bas. Il est venu faire quoi ici? Voilà pourquoi. Tu fais quoi ici? Hein? Tu dois venir à la prière t'as chaque jour. Tu n'as pas des choses à faire? Qu'est-ce maman ouvert les yeux. Oh. Qu'il est concerné à cause des lois établies dans leur famille. Tu es venu faire quoi ici? Je dis la personne. Toi, tu es venu faire quoi ici? Hein? Tu n'as pas des choses à faire? Tu n'as pas de choses à faire? Hein? Oh, mais c'est pas ça. Quand il s'attaque à nous, on doit répliquer, c'est normal. Navin, il est pas qui en haut? Hein? Tiens, micro là-bas. Tu es attaqué à nous, on est en train de répliquer. Où sont les autres micros? C'est tout. Quand il s'attaque à nous, c'est normal. Quand on réplique, c'est déjà un problème. Donnez à Navin un micro là-bas. Hein? C'est toujours Roland qui est là. Hein? Pour qui embrouille les choses. Toi, ah. Tu fais quoi? Oh. Voilà, bien-aimé, pourquoi tu as besoin de ce séminaire que le Saint-Esprit a révélé pendant ces sixièmes mois parce que c'était moins dangereux. On l'ennemi révélait les alliances. Ils n'en ont pas besoin. Tu veux les retenir quoi? Donc oui, il a vu, il a cru, il a laissé. Oh. Son bouddhisme, il a crié à Jésus-Christ. Ils n'en ont il pas besoin, ils n'en ont pas besoin, il a sa femme. Il a ses affaires, c'est bon. Je demande un micro là-bas, urgentement. Laisse-le tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu penses qu'on est content de toi? Tu sais combien de personnes sont mortes par leur faute? Hein? Tu sais? Quoi? Cet idiot ici ne devrait même pas naître, c'est à cause de toi? L'enfant ici qui est né n'est pas naître. J'ai prié elle là-bas, j'ai déclaré. L'enfant est venu par la prophétie. Elle est c'est née. À cause de toi, c'est à cause de toi. Elle nous dérange, elle nous dérange. Elle nous dérange. Laisse-les, hein. Laisse-les. C'est... Ces géants n'ont pas besoin de ta race. Ils n'ont pas peur de ton option. Que tu sois américain, que tu sois japonais, que tu sois un asiatique, l'ennemi n'a pas de couleur. Les réclamations ou la malédiction n'ont pas de couleur. Personne n'a vu le micro. Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Personne n'a vu le micro. Oui. Oh. Oui? Tu fais quoi? Eh, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Moi? Toi, tu fais quoi? Occupe-toi de tes frères. Lui, c'est ton frère. Oh, il a écrit à mon Dieu. Si ce n'est pas Dieu, il serait mort. Il y a deux, trois ça, il serait mort. Pourquoi il a abandonné sa religion? Il avait mourir il y a deux ans. Je sais. C'est toi. C'est Dieu, c'est pas moi. J'ai prié sur lui. On l'a rendu malade pour qu'il meure. Toi,
Il a prié sur lui ici, il disciplinait terrible. C'est pour des gens bien précis, on a lancé des choses comme ça. Et bien, voilà, bien-aimé, tu as besoin de la prière chaque jour. Alléluia. S'il n'était pas là, as-tu reçu la grâce? Non. Il fait quoi, même ici? Navin. Il fait quoi? 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 Le bon Zambé, merci. Zambé, merci. Yesu Masia, merci. Yesu Masia, merci. Lelo localisé Ngaï. Lelo localisé Ngaï. O localisé. O localisé Ngaï. Ngaï. Lelo yo. Lelo yo. Kufa. Kufa. Elongwa. Elongwa. Maladi. Malade. Elongwa. Elongwa. Na famille nangai. Na famille nangai. Na foyer nangai. Na foyer nangai. Na kombo Yesu Masia. Na kombo Yesu Masia. Amen. Amen. C'est acté. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans la couffe, chantez là-bas. Allez. Voilà la mort. La mort. Amen. Oh, amen, amen, amen. Baina zanga na ngambongo lelo. Amen. Kasilo lante Yesu. Amen. Mopesi na pema ya ya. Amen. Amen. Alleluia. Na zanga tali bala lelo. Amen. Kasi Yesu te same. Amen. Mopesi na pema ya ya. Amen. Amen. Nalinga kina beba e, nalinga kina kuhuwa e, yobi kisinga ya ya. Amen. Alleluia. Mokonza mapinga visika to. Bien-aimé, en Jésus-Christ, Dieu a voulu que tu deviennes une nation sainte. Alors, tu dois avoir l'autorité d'annuler le pouvoir maléfique et tout plan maléfique dirigé contre toi. Parce que l'éternel Dieu t'a prédestiné, n'est-ce pas? Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Éphésiens 4 et 5, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants de la nation sainte, n'est-ce pas? Par Jésus-Christ, selon son plaisir. Alléluia! Alléluia! Je dis à quelqu'un que pendant ces 7 jours, si vous marchez dans les voies du Seigneur, Dieu va changer l'histoire de votre famille. Parce que vous avez cru en son Fils qui nous a affranchis. Alléluia. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Cette famille-là, Dieu va faire de toi, il va convaincre une famille, la race élue. Alléluia. Amen. Une nation sainte. Alléluia. Amen. Un peuple acquis. Alléluia. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de ceux qui vous appellent à la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne serez plus, n'est-ce pas, emportés par les puissances maléfiques, parce que l'éternel Dieu sera désormais au contrôle et par vous, la famille sera affranchie, libérée, protégée. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Romains 8, 17. Romains chapitre 8, verset 17. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Éphésiens 3, 6. Ce mystère, la Bible dit, ce mystère, c'est que les païens que nous étions hier, n'est-ce pas, sont devenus co-héritiers, nous formons un même corps et nous participons, n'est-ce pas, à la même promesse en Jésus-Christ. Alléluia. Et viens ici, ma fille, asseyez-vous. Par contre, tous tes enfants sont là. Oui. Quand on dit tous tes enfants sont là, il y a un mauvais signe dans ta famille aussi. Tu le sais?
Philippiens 2, 15. J'ai appelé ta mère, non? Hein? Philippiens 2, 15, nous lisons. Tu crois en mon Dieu? C'est ça devant des familles. Mets tes deux mains sur la tête. Donnez le micro là-bas et déclare que tout celui qui a mon sang soit protégé. Soit protégé. Et que le plan maléfique. Et que le plan maléfique. Préparé. Préparé. Depuis le monde des ténèbres. Depuis le monde des ténèbres. Soit éloigné. Soit éloigné. Soit éloigné. Soit éloigné. Soit éloigné. Soit. Ah, soit éloigné. Éloigné. Ah, hein? Vous avez un mauvais plan. Tanconde et sa femme ne connaissent rien. On dit que sa maman est morte à cause de lui. Lui aussi doit enterrer. Vous êtes là-bas. Attention. Ne manquez pas. Dieu fait grâce. Maman, et bien, maman, et bien. T'es papa. Maman, regarde la grande tu fais un peu d'années, maman. Quel est le bosseau qu'on a? Hein? Quel est le bosseau? Allez devant, parce que je t'ai compris pour toi. Passez devant. Je ne suis pas Dieu. Pour tes voir. Maman, et bien, pendant ce séminaire, Dieu va effacer tout plan maléfique préparé contre tes enfants, contre ta famille, contre ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Il continue à faire des réunions chaque nuit. Hein? Et bien, on te maman. Nous avons un fond le musou. Hein? Autant là, comment ils font des réunions là-bas? Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin au village. On va écrire ça. Qu'est-ce que c'est? Vous avez dit qu'en quoi ne peut pas quitter ça, Kunda. Maman n'a confié. Bon, il y a un bon cas. Mais il y a un mot, la délivrance de la famille. Alléluia. Tellement déclare que tout plan maléfique qui se prépare contre ma famille, que ce soit au village ou à Kinshasa ici, je déclare au nom de Jésus-Christ que cela soit annulé. Allez, annulez cela. Annulez cela. Bazolenge la namboka na yo, namboka tata na yo, namboka mama na yo, esiko balela, esiko botela bana, naba oya quartier, baye kokota likambo, naba ya tonga, ale tinda bango ba panza. Oh non, puissant, amen. Ça sera soit les nez des garçons ou les cadets des garçons. Les deux qu'on a pointé. Asseyez-vous. Où est le cadet? Le cadet est là? Eh, hey, où est le cadet? Il est là? Ah, my God. Il est au cours, papa. Il est là. Viens. Il vient d'entrer. Ah, c'est la grâce. Allez d'avant devant. Bien-aimé, attention. Hein? Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu. Et tu as besoin de ne pas manquer au séminaire. Les parents ne savent rien, mais les choses se préparent plus loin au village. Hein? Eh, montez-moi la maman, tout, voilà. Ils prendront soit les nez, soit les cadets ici. Ah, voilà. Et la délivrance du premier nez. Que Dieu le fasse grâce, si Dieu le permet, ça sera le dimanche. Oh, quand on est dans les lits, ont des sacrifices à faire pour racheter le premier nez. Faites le dimanche. Quand l'aîné est délivré, la famille sera libérée aussi. Alléluia. Amen. On le fera dimanche avec des sacrifices. L'aîné libéré, la famille sera libérée. Même si toi-même, tu es l'aîné d'une famille, même si tu es marié, tu es concerné. Même tes enfants premiers-nés sont concernés aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, que nous fassions le sacrifice dimanche pour que nous puissions annuler cela en un cas. D'accord.
Normal, bon, hein. Bah, on a besoin, ton fils est né, ou les cadets, il n'a que deux garçons. Ah, coucou, et si c'est cinq filles, quatre filles. Ah, hein. Dad. Je te connais. Ah, coucou, un jour, on soit, puis là, papa dit dans mon thème. Hein? Au moins, jour, on soit, puis là, papa dit dans mon thème. Jour, y'a? Au moins, jour, on coucou, un jour, on soit, puis là, papa dit dans mon thème, ma casse. Le 27 août. Mois d'août, c'est le mois de mort. Ako Koufa, le 27. Lève-toi et déclare que j'annule. Papa n'a relé là au Kangama. Tout plan maléfique. Derrière les dates de l'année civile. On commence par le 1er janvier. Au 31 décembre. De chaque année. Où l'ennemi a programmé les accidents, la mort, les maladies, les échecs, les mauvaises choses. Que cela soit sanctifié. Pas d'aller. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. C'est acté. Ton fils est né, on a prévu l'accident. Huitième mois. On a prévu l'accident pour son fils est né. Et ça sera brusque. Viens ici. Tu n'as que deux garçons, hein? Accroche-toi, Dieu. J'ai prié pour toi, non? Accroche-toi, Dieu. Tikaï. Oh, ça. Attention. Attention, s'il vous plaît. Connaissez-vous cela? C'est cela devant des familles. Par toi. Dieu va rêver des choses. Il y a aussi Mamoutou, son fils est né, accident, pouf, à Koufi. Il a raté combien d'accidents comme ça, circulation? Deux fois déjà, hein? Troisième fois, j'ai appris. Par toi, fermez toutes les portes, hein? Ce n'est pas le moment de vous fâcher. D'être en contact avec des gens. On a vraiment même des gens, même à l'église, des gens qui vont t'énerver. Quand on dit, même à l'église, on a vraiment des gens pour te faire énerver. Parce que ma compte rendu en moi. Agressez pas les deux tableaux là-bas sur l'écran. Yo, au tchangana mon langue, mais c'est là. On va l'entrer là. Au tchangana mon langue. So depuis quand je suis même moi la personne qui oh la régie. Depuis quand yo je suis comportement quoi, ici. Oh depuis quand je suis comportement hôte oh si les gars yo tu es bien bon oh yo si les gars des points et là que deux garçons combien de filles? Quatre filles, cinq filles, deux garçons. Ce sont les deux garçons qui sont pointés, l'aîné et le cadet. L'aîné c'est accident d'accord, celui-ci qui est banakanda. Attention, eh tout ailleurs. Hein? Mais l'ennemi est rusé. Hein? Il planifie des choses. Hein? D'abord, on va commencer par dire. Pour bon, moi, on est là. 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 On est là.
Ok, viens ici. Lis des prières, bon. Pompez-moi. Allez. Que cela soit annulé. Allez, vite. Allez. Pompez. Tout le monde, le sang de Christ. Allez. Que le diable échoue dans leur famille. Également, c'est pareil dans ta famille. Au nom de Christ. Amen. C'est acté par les cœurs célestes. Rentrez là-bas. Maman, venez ici. Oh, on peut te raconter, tikaye. Tikaye. On peut te raconter. Ah, ça sport, hein. Papa, ça boxe. Zoomez-moi là-bas. On peut te raconter. Hein? Ha, mais là, il y est. Robert Anani, micro là-bas. Robert Anani, tu as annulé plein la vidéo dans le canard. Robert Anani. Hein? Robert Anani. Mon salaire est au bandera zéro. Oui. Dengozo baby, c'est au bandera. À zéro. Commencez tout à zéro. Zoomez moi la personne. Vous avez commencé tout à zéro. Et puis, au bandera, il y aura toujours. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va aussi induire que les pharaons, ils vont reprendre, ils vont encore être avancés. Juste, mais ta pouffre est révélée, annulée. Au riga, quand on a kunda, on a pour l'année. Bon, votre mission est finie. Jusque 3. 1, 2, 3. Tout genou fléchira sur la terre comme aussi au nom de Jésus. Finish. Allez. Maman, on va terminer le cas ici. Où est ta fille? Ah. Ouais, puis, maman. On va clôturer. Il y a quand même maman dans moi, rapidement ici. On va terminer. Maman, vous avez un sika. Je prends le cas. Donnez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. On va terminer. Alléluia. Amen. Ce que vous recevez, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Demain, Amen. Ça sera une autre grâce. Amen. Ce que vous recevez aujourd'hui, c'est pour demain, ça sera une autre. Ce qui est l'équilibre, je vous en prie. Alléluia. Amen. C'est l'opportunité pour tout recevoir. Tout ce que Dieu a prévu aujourd'hui et recevez cela. Alléluia. Amen. Je prends le cas ici de notre maman. Les lois établies ont fait qu'elle ne peut jamais se réjouir dans sa vie. C'est comme cela qu'elle n'a eu qu'un seul enfant. Moi, âge bon. 8 ans. J'ai demandé ici à ton mari il y a un mois. Je dis que ça fait 3 mois que je ne vois plus ta femme. C'est pas toi? Tu ne venais plus à l'église. Oui. Tu as fait presque 3 mois. Hein? Pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Maintenant,
Il a fait le choix. Les conséquences sont venues. À qui la faute? Et pourtant, elle a commencé ses délivrances. Elle manifestait beaucoup ici à l'époque. Il fallait pas opérer. Brusquement, Porté disparut. Elle dit à son mari, cherche ta femme. Sinon, elle va trépasser. Et depuis que je la vois, depuis qu'elle est rentrée, elle est toujours malade. À qui la faute? À qui la faute? C'est vrai que les réclamations l'ont poussé à être loin de Dieu pour frapper. Maman, veux-tu mourir très tôt et laisser cet enfant ici? Pardon? Veux-tu mourir très tôt et laisser cet enfant? Veux-tu que l'enfant meure? Mais c'est ça, c'est le choix que tu as fait. Vous allez attendre les plans qu'on a fait là. Bien-aimés, ne soyez jamais loin de Dieu. Je dis souvent aux gens, autant ne pas commencer une délivrance. Tu restes avec tes démons qui te contrôlent là. Hein? Que tu sois dans la salle et que la grâce te localise, tout est révélé et tu disparais. Donc, bon maillot. Autant ne pas découvrir leur manœuvre que de les découvrir et de te loigner de Dieu. Ils vont te tuer. C'est la mort qui est là maintenant. Et écris-moi son nom sur un papier. C'est la mort qui est là. Et puis, tu dois te repentir avant ça. Si on a 5 millions, on couvre les choses bien, bien. Parce que Dieu a commencé à te restaurer, à te guérir pour te disparu. Maintenant, tu viens alors que c'est la mort qui est là. Si on a 5 millions, on couvre. Tu dois confesser. Demander pardon à Dieu. Quand je m'impose encore la main sur toi, je confirme la mort et la maladie. Hein? Écris-moi son nom sur un papier là. À confesser d'abord. Avant ça, mais si on était ma semaine là, on couffe à ce bien, bien. Vous blaguez avec Dieu? Autant ne pas commencer ta délivrance que de la commencer et que tous les secrets sont dévoilés et portés disparus. Maman, fais vite, on va terminer dans 10 minutes, 5 minutes. Confesse, maman, serre dans mon livre, je te préviens. Dieu ne veut pas être à mort, c'est les méchants qui le veulent. Tu as découvert leur secret, tu as commencé la délivrance pendant 8 mois, porté disparu 3 mois. Maroti Kayo, Maroti Kote, Maroti Oma Kamundene. Comme on les a listés déjà, listés. Hein? N'a pas de morceau, ma serke, y est banni. Hein? Au bout de la date, on couvre, mais on va nous en. À qui la faute? Le choix et les conséquences. Que Dieu pardonne. Maman, ça, donc qui, maman? Ah, venez de prier. Son mari est là. C'est pour qui m'a guise pour la nuit? Pour qui m'a guise? Hein? Nous sommes en Bissanga, nous sommes en Kimaki. Lungé, la Téléma. Maman, papa, Téléma. Tu as défendu, non? Soyez pour nous, Téléma. Ton solan. Et ça, bien-aimé, que ceci puisse vous interpeller. Hein? Autant ne pas commencer une délivrance que de la commencer et de fuir Dieu. Au moins, il y a un cimetière. Il y a un cimetière. Et puis, camarade Nanga et Bissinga, à la libre et na Okufa, il y a bien dimi en beaucoup la moine. La lobby n'a pas été, même si on a été. C'est quoi lobby? Moi, n'a pas de caprice et belé boé. Maman, la bute que coupe ça pour la carte d'un même si on était. Oui, Bissinga, papa. Ce qu'on faut dire, vous blaguez? Allez blaguer ailleurs. Hein? Pas ici. Nous avons dit Bissayo, mais Keba, la deuxième chance, que Dieu te pardonne. Et Linda Salima, que Dieu pardonne Linda Salima, que les réclamations du côté de son père et de sa mère soient effacées. Nous avons déchiré des crénoïs à Koufa. La famille a déchiré. Voilà.
Faut y en a ni. Faut y en a ni. On verra ça après, des prières. Allez. Maman, y'a qu'à. Jeune homme, que Dieu te protège. Hein? Un enfant, elle n'a qu'un seul enfant. À bout de ta pécheté. Vous êtes accroché à Dieu. À Zoki Manzam. Pour payer. On verra ça demain. Tu dis seulement aujourd'hui. Levez-vous. Sanctifiez votre chemin de retour par le sang de Christ. Et chorale. Entonnez-nous un chant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Chantez-moi silence dans les cieux, rapidement. Christ, maman, papa, s'il vous plaît, qui était là dimanche quand on a ramené, on a payé l'âme du joueur. Voilà le péché, il est venu à la vie. Acclamons pour Jésus-Christ. Où est sa nièce là? Où est sa nièce? Où est sa nièce qui était là? Hein? Jeune homme, j'ai dit ça devant tout le monde ici. J'ai laissé un garçon dans la famille, c'est ça? Hein? Et tu blagues avec ta vie. J'ai prié pour toi ici à côté du pied. Il ne fallait pas que tu le connais. C'est pas toi? Dieu a fait grâce en Afrique du Sud. On a réparé ça. Je t'ai dit, venez, tu es allé loin de Dieu. Tu as payé ta soeur il y a 3 mois. Après, ça sera toi. Tu es rentré dans le coma. Tout la même chose. Tout est revenu, vous fouillez. On m'appelle seulement à côté du coma. Dimanche, il est dans le coma. Mais à qui la faute? Où est sa nièce qui était ici? Regardez là-bas. Demande pardon à Dieu, ceux qui étaient aux Zonga. Mets-toi là-bas. Mais elle appelle sincère, que tu sois sincère. On t'a prévenu, voilà ce qui va arriver. Dieu t'a d'abord guéri, on a été coupé le pied là. Hein? Dieu t'a guéri. Et tu as fou l'église. Dieu est allé dans le monde. On t'a m'appelle brusquement, il est dans le coma. Vous avez fait quoi? On a seulement prié Dieu, la miséricorde de Dieu. Si on dit que parce que ta maman a écrit à mon Dieu et tes nièces qui sont ici, sinon, tu étais déjà dans le cercueil. Tu étais mort depuis dimanche là. Hein? J'ai dit ça devant témoin. Accroche-toi à Dieu et revenez à Dieu avant qu'il ne soit tard. Il n'est pas jamais en vacances. Demande pardon avant qu'on prie sur toi. Et va clôturer là-bas. Rapidement. Shalom, église. Et témoin d'abord. Asseyez-vous, participez. Asseyez-vous 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va sauver cette âme, se quitter. Pendant que Dieu va faire grâce ici, que tout garçon et gamin de ta famille, ou tout enfant de ta famille qui a été visé, soit libéré. Amen. Soit libéré. Amen. Au nom de Christ, amen. Baissez le micro rapidement. Comment tu t'appelles? Jocelyn Landou-Malounz. Un garçon qui évoluait trop bien, un grand joueur au sein du Léopard, il devait émerger pour aller jouer à l'étranger. Les réclamations de la famille ont fait qu'il a eu une fracture et les pieds commençaient à pourrir. C'est quoi là? Il fallait couper la jambe. On a prié sur lui. Il a fait combien de temps, Nicolas? Combien de temps, le colonel? 3 ans. Trois ans. On l'a ramené ici, on a prié. Dieu a restauré. Il a fui l'église. Nama, qu'est-ce que tu as moi? Tu es taillé. Soit tu es aux. Oui, rapidement. Moi, je ne marche pas de moi. Je vous dis les vérités crues. Je suis un apôtre, c'est comme ça que je parle. Je n'ai pas à cajoler les choses. Rapidement là-bas. On te suit de l'étranger. Hein? Parle en français, on va traduire ça. Partout, on se suit. Qui veut traduire là-bas? Pardon, Zambé, et puis une mise. Qui traduit là-bas? Traduisez là-bas. Les gens le connaissent comme grand joueur, star. Je demande pardon à l'Éternel, mon Dieu. C'est la jeunesse qui m'emballe dans de mauvaises choses. Entourage, Mususu qui star, Namutu, Tobosana, Mususu, Zambende, Aza, Aza Papa, Aza
Des fois, il y a les stars et l'entourage nous amène, nous emballe et nous oublions souvent que nous devons toujours nous confier à l'Éternel Dieu. Pardon, Nazo a bien témoigné de sa volume. Lo naye ko senga devant Nzambe devant église que na robandela lisusute na prochain naye. Aujourd'hui, je viens demander pardon à Dieu et demande pardon aussi à l'église que je ne répéterai plus jamais ce que j'avais fait. Attention de cogire awa, vous gérez ici c'est devant Dieu. Ce que tu dis que ça soit ainsi. Sinon tu vas t'attirer malédiction encore. Que Dieu te pardonne. Et que tout ce qui t'empêche de chercher Dieu soit éloigné de toi au nom de Jésus-Christ. Que la mort soit éloignée dans ta vie et dans la famille. Et que Dieu protège la famille au nom de Christ. Amen. Amen. J'insiste, bien-aimé, dimanche, il y aura la prière pour les enfants premiers, la délivrance des papas premiers. Alléluia. Même si ton enfant est loin, amenez sa photo ou son nom. Mais si c'est votre grand frère de la famille, grand soeur de la famille. Alléluia. Je prends le temps. Venez ici. Voilà pourquoi tu as besoin de l'évangile de la famille. Qui était là dimanche quand on a ramené son âme? Hein? Il était dans le coma là. Hein? C'est arrivé brusquement aussi. C'est le mois de juin. Comment la limitation d'âge est arrivée dans la famille? Cette maman, sans qu'elle le sache elle-même, sa maman, pour la voir, est allée plus loin à traverser les rivières, aller consulter un féticheur. Maman aye yambo abota ma yepe ayebakite maman aye azalaki kobota te oyazali koko ya mwana biso atelemi akati saki na ngambo na ebale koluka kobota. Elle même ne savait pas comment devenir la nature d'âme. Maman ayebakite lolenge nini ya yaka na mokili kaka ye moko na nzela ya losambo pe na ko manifester nde abimisaki sekini. Tout était prévu que à 60 ans elle devait mourir. Et en échange, le mariage d'elle et les enfants vendus, dans la pauvreté, tout était dans la famille. Mais c'était vendu. C'est la petite fille. Voilà comment on a poussé ses enfants d'être loin de Dieu. Elle avait 62 ans ici, c'est, vous voyez, c'était la paralysie. Elle a fait 3 mois ici à Bikiao. Maman a biso tant comme ça qu'il m'a azwaki maladi ya le lembe na loboko. Qui était là? Pe asala ki sanza misato awana. Je l'ai guéri ici. Et on a prévenu ses enfants qu'il y a limitation d'âge. Accrochez-vous à Dieu. Non. Oui. Parce qu'elle était vendue et elle est la progéniture. La famille était vendue. On a distrait sa fille aînée, on a fait fuir l'église. La maman de celle-ci. Je dis, cherche-moi qu'elle revienne à l'église. On la ramène ici et ta critique. Les choix et les conséquences. Elle est morte il y a 3 mois ici, sa maman. Elle s'est même révélée ici parce qu'elle a été vendue déjà. Heureusement qu'elle prie ici, les enfants se protègent, mais que les enfants soient attachés. On dirait que l'aîné va mourir, après ça sera lui, après c'est la maman. Tu n'as pas entendu ça? Et bimaki awa na monoko na bango moko ba eli bota balobi ete ye mama akokufa sima elenge na biso mobali pe. Voilà comment les alliances dans la famille sont en train de limiter la vie des enfants parce que avant qu'elle soit née on a fait des alliances pour qu'elle vienne dans la vie. Tala lolenge nini boyokani na mabota
Pendant les 7 jours ici, on va briser cela. Demain, on va commencer, que Dieu fasse grâce, demain c'est samedi. On va commencer avant, si possible, à 15h, s'il vous plaît. Lobby, tous les mots qu'on a posé, ceux qui nous ont bakosunga, tokobanda, nangonga, misato yanzanga. On va commencer, s'il vous plaît, à 15h très tôt. Tokobanda, nangonga, misato yanzanga, de komilengela. Parce que dimanche, ça sera encore un grand service. Pambate mokolo na yenga, egoza su subi. La demande pour avoir premier né, que ton chemin de retour soit plongé dans le sang de Jésus-Christ et que tout décret maléfique dans ta vie, dans ta famille, soit effacé. Amen. Shalom. Courage. De 16h à 20h et dimanche de 7h à 13h au temple Misko.